Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos incroyables aventures sur South Park, l'anal du destin. Nous en sommes à l'épisode 25, probablement, sûrement le dernier épisode de notre aventure sur South Park. On est parti les amis, on devait aller cette fois-ci au rez-de-chaussée, mais pour ça je pense qu'il va falloir s'envoler. Oh ça c'est beau ça, ça c'est beau, c'est bien casé ça, s'envoler grâce au cerf-volant, à l'homme cerf-volant qui va nous permettre une fois sur... J'allais dire une fois sur son dos, mais c'est lui qui vient sur mon dos. Merde! C'est bon. C'est bon, on est là. Ah, mon costume d'hôte maintenant. Super, merci. Allez, on y va, les gars. Bah, c'est par ici. C'est par là où il est passé. Ah, il revient. Que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Ok, bon. Pourquoi pas? Mais alors. Ah! J'ai oublié derrière, les gars. Putain, je viens de voir qu'il y a une quête juste derrière. T'assures vraiment dans un mec? C'est terrible. Les garçons sont mignons quand ils pleurent, non? Désolé, pas désolé. Ah, désolé, pas désolé. Le classique, ça on va devoir le soulever grâce à notre force. Bon, j'ai oublié à l'arrière, je ne sais pas exactement ce que c'était, je ne pourrais pas savoir, je ne pourrais jamais savoir d'ailleurs. Mais quelqu'un a dit quelque chose, c'est bien triste. Par contre, j'ai aussi oublié que j'avais le costume, mais ça c'est une grave erreur. Vas-y, soulève-moi ça. Ok, ouais, tu vas régaler. Allez, salut, on est parti, on va changer notre costume. Alors, qu'est-ce qu'on devait mettre? On va mettre, dis-moi ça en plus. Oh, c'est pas mal ça. Oh, c'est pas mal ça. Captain Atom. C'est beau ça, non? C'est beau, c'est de l'amour qu'on a là. C'est de l'amour et c'est de l'atome avant tout. On est pas mal. Bon, finir l'épisode sur Captain Atom, c'est assez terrible. Ah, oh, vas-y, régale-moi. Ouais, dis-moi en plus, ouais. Rien d'intéressant, très bien. Composant peut-être, non plus. Oh, on dirait que tous les animaux mutants se sont échappés. Help! Quoi? Oh putain, j'ai eu tellement peur. On dirait qu'on est tombé sur des sixièmes mutants. Ils ont l'air affamés. Ne vous laissez pas bouffer. Ok, on est parti. Ils ont totalement des quatre semis en fait. C'est terrible. C'est terrible. Genre tous les sixièmes, ils ont du beat. Ok. Ok, là on peut rien prendre. Quoi? Mais quelle est cette sombrerie? Non, j'ai pris un coup de fesse. Bon, eux ils sont très chiants. Fais gaffe aux grilles. J'ai fait en sorte qu'on puisse les enlever au cas où un ennemi aurait besoin de t'attaquer par en dessous. Quoi? Quoi? Attends. Quelle est cette sombrerie? Et voilà, wonderful. Ok. Quoi? Qui veut une glace? T'es un con. T'es un glaçon? T'es congelé? Ok, ça va être safe normalement. Oh là là, quelle est cette sombrerie? Là, faut pas que j'aille dessus. Là, je crois que c'est bon. Donc lui, on va lui mettre ce qu'il mérite. Ok, là c'est le placement qui est très important, je pense. Parce que sinon on meurt en fait. Si quelqu'un nous attaque en dessous, non? Ok. Oh non, ça rebug. Oh mais ça va faire ça combien de temps? L'enfer les gars, l'enfer Ubisoft. Allez, on est parti. Oh là là, mais c'est un enfer ce jeu, c'est un enfer. J'en peux plus de ce jeu les amis. Il bug, il est trop bugué. Aïe aïe aïe. Ok, j'ai mis ce qu'il méritait. Putain d'enfoiré. Bon, y'a plus qu'à les gars. Oh là là. Oh l'enfer. Allez, ok, c'est bon les gars, on va se calmer. On va clairement se calmer, oui, on va lui mettre ce qu'il mérite. Oh, c'est compliqué hein, les gars, c'est un enfer. Hein. Voilà, on va faire ça, petite technique, petit coup de Trafalgar. Et ça dégage très très vite. Mes parents sont nuls. Ok. Allez, ça dégage. On est bon. Ah, compliqué les gars. Compliqué, on va passer. J'ai pas mal de problèmes en ce moment et t'éclater la gueule, c'est l'une des solutions. Vous êtes bon pour me torcher le cul. Non les gars, c'est chiant là. C'est quoi encore ce coup de Trafalgar? Oh mais c'est quoi ça? Je suis pas bien. Éclair, écoute tonnerre. Ok, je suis pas bien du tout, va falloir que je passe très très vite. Espèce de je déplace mon frérot.
Tu forces notre enfant à choisir entre nous, c'est ça? Toi aussi, t'as mis des médocs dans ta bouffe. Ah, mais c'est des mères! T'es chaud, Trouduc! Ok. Vas-y, viens par là. C'est censé faire mal. Viens sur la trappe. On va rigoler. Super méca en ligne. Voilà, ça c'est fait. Ça dégage très vite. Ok, on va se mettre ici, tout simplement. Et on va faire quoi? Non, on va se mettre ici. On va se mettre ici parce que j'ai bien envie de me mettre ici. Attention, piquant, on approche. Ok, hop, plus on remonte le temps, il est moins chiant. Oh Dieu, merci. C'est bon, là ça a l'air d'être jouable, les gars, le jeu. Ça a plus l'air de trop bugger, heureusement. Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Aïe 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 aïe. Je sens qu'une tempête approche. Compliqué cette histoire. Ok. La tempête se prépare. Donc lui il est sous choc. On est pas mal, en plus je l'ai bloqué dans un coin. Lui on va se mettre ici. Faut que je joue Mysterion sinon il est dans la merde. Voilà, c'est pas mal non plus. Leur voyage vers l'au-delà. Et Mysterion juste derrière. On va faire ça. Avec ça, et là on est très très bon là. Et il va prendre la trappe, normalement il va totalement mourir. Mise à niveau, tu permets qu'à prête. Normalement il va totalement mourir. Suis-je fou? Viens ici, CM1. Ok. Bonne chose de faite. Maintenant, on est bon, on peut passer au tour suivant. Vous êtes tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. Oh, eux ils sont terribles hein. Eux ils ont des attaques qui sont les juste terribles. Ça inflige saignement plus, je crois. Vous n'avez jamais vu de météo pareil. Ok. Allez, il est totalement mort. C'est la fin pour eux. C'est la fin, c'était compliqué, mais c'est bon. Bonne chose de faite. Allez, ça dégage. Ok, super, faites que ce soit le dernier, c'est qu'il y a plusieurs que qu'on est à combattre. Malgré les bugs, j'irai à la fin de ce jeu. Oh là là, l'enfer, l'enfer. Ok. On va se caler ici. Là, on est très très bien. On en touche 3 d'un coup, on n'en parle plus. C'est très très bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire par exemple ça. Et l'achever, comme ça au moins on est tranquille. Allez, ça, ça dégage. Tupperware active. Tupperware, qu'est-ce qu'on peut faire avec Tupperware? On va rien faire, les trois vont prendre. On va juste rien faire. Mourez. Voilà, c'est très très bien comme ça. Et je vais mettre Tupperware sur une autre case, genre ici. Et je vais mettre... Merde, mais qu'est-ce que je suis ici. Mysterion, c'est sécurité. Bon bah c'est, je suis dans la merde, j'ai mis Tupperware dans la merde. Mais au moins mon Mysterion est en sécurité. Aïe aïe aïe, compliqué. J'aurais peut-être dû me tuer avec Mysterion, je sais pas. Ne montre aucune faiblesse. Bien, qui est ma prochaine victime de barrage débridé? Aïe 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 aïe, compliqué aussi. Ça qu'on fait en sixième, merde. Mais oui, c'est vrai que j'ai le téléphone. Ok, ça ça va. C'est pas grave, en plus je récupère plus de vie que j'en perds. Ok. On va l'utiliser pour le frérot. En plus avec un coup critique, un soin critique. Tiens, soigne-toi. Ok. Maintenant c'est qu'à... Oh là là, c'est au frérot, mais c'est compliqué hein, cette histoire. C'est totalement compliqué cette histoire. Moi je vais prendre le coup de la trappe, mais bon c'est pas grave. Voilà, ça dégage. Touché et endommagé. Je vois que ça a fait. Hop, ça, je vais prendre sa place, ça dégage aussi. Et si c'est intelligent. De détonation de cul, retour au niveau standard. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça y est, tu as gagné. J'ai cru qu'on allait pas y arriver, ce coup-là. J'ai vraiment cru qu'on allait pas y aller. Oh là là, c'est un rang. Oh, niveau supérieur, les amis, on va pouvoir se mettre un artefact. Et là, je pense qu'on va pouvoir rouler sur cette fin de jeu. À moins que ce soit pas la dernière mission, ce qui serait quand même une surprise. Mais artefact, c'est parti. On peut encore plus se doper. Et ça l'a déjà fait automatiquement. Ah non, 6, 7, non non, c'est qu'on peut pas mettre plus, tout simplement. On peut juste pas mettre plus. Ok, très bien. On peut pas, peu importe les niveaux qu'on gagne, c'est terminé. Bon, on va essayer de récupérer un maximum. Mon trésor de... C'est toi? Quoi? Trésor. C'est mes dames. C'est moi. C'est papa. Ok. Il est totalement nu. Attendez, qu'est-ce que je peux faire? Ok, va falloir que je le libère. C'est mon père, les gars. Échantillon ADN en attente. Ok. C'est peut-être compliqué, échantillon là, ADN en attente. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Faut que je lui pète dessus. Faut que je récupère un petit peu de son ADN peut-être. Ok. Ma mère. Les sixièmes sont arrivés de nulle part. J'ai les jambes cassées, trésor. Maman ne peut pas marcher. Il faut que tu ailles chercher de l'aide en ville. Écoute-moi, mon ange. Ils étaient sur le point de décapiter ton père pour scanner son ADN. Je suis désolée, mon ange, mais tu vas devoir finir ce qu'ils ont commencé. Le seul moyen de sortir d'ici, c'est de tuer ton père. J'ai entendu. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Je peux discuter avec notre enfant sans me faire insulter? Hein? Tu joues encore les victimes, hein? Comme si tu ne critiquais pas tout ce que je te dis! Très bien, monsieur, j'ai toujours raison! Va, trésor, va, va couper la tête de papa, dépêche-toi! Aïe, aïe, aïe! Coup dur! Je vais devoir vraiment tuer mon père! Oh, c'est terrible! Ok, on va tout ramasser. Un petit tiroir que j'avais pas fouillé. Non, mais je peux pas... Non, je dois vraiment le faire, en fait. Je dois vraiment le faire! Pas lui couper la tête, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que c'est pas sa faute comme d'habitude? Je savais qu'on en arriverait là un jour. Voilà pourquoi j'ai dit à ta mère de fermer sa putain de gueule. Va te faire foutre! Je t'avais dit que si les pouvoirs de notre enfant venaient à être révélés, il recueillerait notre ADN pour créer un clone génétique. T'as jamais dit ça! Écoute, trésor, la centrale attend l'ADN de l'un d'entre nous. T'as qu'à persuader ta mère d'y aller. Ne force pas notre enfant à choisir un camp, c'est trop cruel! Je suis piégé dans une espèce de tube! Oui, bah moi j'ai les jambes cassées et le bras pratiquement arraché! Si je bouge, je risque l'hémorragie! T'entends ça? Va chercher le bras de ta mère, ça devrait marcher! Oh là 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 là! Obtenir un échantillon de l'un de mes parents! Oh. Bah le bras en vrai, non? Ah les gars, il lui manque que le bras! Aïe. Non, je t'en prie, mon chou. J'ai déjà perdu beaucoup aïe. De sang. Ah, les bâtards. Ok. Attendez, attendez, on va fouiller ça quand même. Bon. Non, non. Ça active le laser. Arrête. Tu vas tuer papa. Oh là là. Je tue qui dans cette histoire? Alors, elle a une hémorragie, elle va mourir parce qu'elle a perdu trop de sang. Aïe, aïe, aïe. Ma mère, elle est dans un sale état, mon père a l'air dans un état impeccable. Pitié! Ton maman t'a tué en erreur, c'est elle le problème. Va la tuer. Je t'aime depuis toujours. C'est ta dernière chance. N'appuie pas sur le dernier bouton. Oh là là, c'est des salauds. C'est des salauds, les gars, je sais pas quoi faire. Et là, il y a une deuxième chance. Il faut que tu ailles couper la tête de ton père. Je sais que c'est dur, mais c'est le seul moyen. Oh là là, c'est compliqué. Hein. Juste là, sur la table, mon chou. C'est compliqué, hein. Ah non, mais... Attends. Avant que tu fasses ça, va demander à ta mère ce qu'elle met dans ta nourriture. Fais-moi confiance, va lui demander. C'est un faux vol détour. Ah. Si tu m'arraches le bras, ça me tuera. Tiens. Ne tue pas maman, trésor. Maman t'aime. Ah oui, mais elle a l'air louche, hein. Elle a l'air louche. Elle a l'air louche. Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est cette foutue salope qui te l'a demandé? C'est un serment. Oh, Dieu soit loué, je savais que tu ne ferais pas de mal à ton papa, trésor. Maintenant, va tuer ta mère. Aïe, 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 aïe. Oh, allez, c'est pas grave. Je flippe. Adieu. Ah. Allez, c'est pas grave. Ah mais ça tue vraiment. Oh l'enfer. Tu as bien fait, trésor. Maintenant, va chercher de l'aide. L'enfer du bordel. On n'est pas bien, hein. Échantillon ADN organique accepté. Ah ouais. Oh la vache! J'avais pas le choix, j'étais obligé les gars. Ah c'était... Les deux étaient tellement louches finalement. Aïe aïe aïe. Ok. On continue les amis, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si quand même, mais... Mais ça va. J'ai sauvé au moins des deux. Faites-moi sortir de là. Je vous en prie. Hé, hey, mettez cet enfoiré de CM1. Fais-moi sortir de là. Hop, il m'a trop mal parlé. Je t'ai dit de me faire sortir de là, Jobard. Ils essaient de me rajouter des culs. Hop, tu m'as trop mal parlé, gros.
Et voilà. Ah, y a tellement alors, c'était pas si dur, finalement, hein. T'en as mis du temps, nouveau. Tu t'es amusé en route. Ok, pote de la liberté. On doit gagner la ville et révéler à tout le monde ce que trame Cartman. Je ne crois pas, non. Terminus, le coup et sa bande. Pote de la liberté. Le coup et sa bande. Pote de la liberté. Le coup et sa bande, le coup et sa bande, le coup et sa bande. Attention, les gars, il a une sorte de super arme. C'est terminé, gros cul. On va tout cafeter. Ouais, t'entends ça, Connor, sale fils de pute. Ah, la ferme, Coon. On a besoin l'un de l'autre, tu ne saisis pas? Je fomente le crime et toi, tu y mets fin. Je favorise votre franchise. Oh putain, ça y est, je capte. Mais il fallait que le nouveau se pointe et tente de m'arrêter pour de bon. Je n'avais pas d'autre choix que de créer mon propre nouveau. Qu'as-tu fait, Eric? C'est simple. Comment arrêter un membre du Coon? En créant un gigantesque alter ego génétiquement modifié à partir de l'ADN d'un héros. Quoi? Oh mec, c'est tellement primaire! Quoi, qu'est-ce que tu veux dire, Coon? Enfin quoi? Tu vas combattre un super-héros juste en créant un grand mutant génétique à partir de l'ADN du héros? C'est un copier-coller de n'importe quel film de super-héros de série B. Ouais, parce que c'est cool! C'est pas cool! Non, c'est génial, c'est une sorte d'ennemi ultime. T'es total à la ramasse. Enfin bref, finalement, j'ai pas réussi à obtenir l'ADN du nouveau. Alors, j'ai dû me résoudre à cloner un autre super-héros. Quel super-héros? Aïe, aïe, aïe. Regarde-moi, cousin Kyle. Je suis une horrible mutation génétique. Ça va aller, cousin. On va trouver de l'aide. Oublie, la restructuration cellulaire m'a affecté le cerveau et je dois tous vous attaquer sous peine de migraine. Préparez-vous au combat, Minus. Aïe, 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 on affronte le cousin de Kyle. C'est terrible, il a 10 000 avertissements. Calme-toi, cousin, ça va aller. Désolé, okay. Kyle, mais je suis rempli d'une rage mutante et il faut que je vous détruise tous. Attendez, attendez, arrêtez tout. Y a un problème, docteur. Wow, j'ai juste envie de voir un super-héros génétiquement amélioré transformer ses ennemis en jolis purées rouges. Faites pas attention à moi. Ok. Bon, on va essayer de gagner un tour, on va déjà revenir en arrière, même si je sais pas trop ce qu'il va me faire en attaque, finalement. Ça risque d'être très compliqué, les gars, vous vous en doutez, et je suppose qu'il est insensible, totalement insensible. Donc, autant enlever 110, finalement. Ça va être compliqué, les gars. Ça va être très, 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 très compliqué, je pense. Non, non, attention aux yeux, s'il te plaît. Ok, il est quasi immunisé à tout. C'est super cher. Ça me paraît pas mal. Je crois qu'il est pas immunisé au feu. Yes, il est en combustion. Ça, c'est très très bon par contre. Ok, on va faire ça. L'effet de surprise total. Je vais l'emmener. Attention à mon arme. Ah, par contre, il peut pas prendre de coups forcément. Ok, c'est compliqué cette histoire. C'est compliqué. On va mettre ça ici. Normalement, la tour elle va tirer. Rassure-moi, elle va tirer. Aïe, 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 elle voit pas d'ennemis. C'est terrible. Un coup dur pour les joueurs franco-thaïlandais. Allez, vas-y, viens m'aider. Parce que sinon, c'est compliqué. Viens, Cassie. Eh, hey, non, alors. T'es mort, imbécile. Mort. Ok. 412. Ça, c'est fait. Bon, allez. On va faire ça. C'est pas grave. On verra après. Doucement. T'es mort. J'ai une saleté sur mes lunettes. On n'arrivera pas à battre cette chose. On doit tenir jusqu'au lever du jour. Sa peau ne supporte pas la lumière du soleil. Comment on va tenir jusqu'au lever du jour? J'en sais rien, mais il faut essayer. Ok, on reprend, j'ai fini de nettoyer mes lunettes. Ok, stop. On va passer direct au jour, je peux le faire. J'ai pas trouvé ma marque préférée, alors je vais devoir faire avec ça. Ah, c'est compliqué là, le gars. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, le dégoût qui va me tuer, putain. Allez. Ça, c'est pas mal du tout pendant qu'il s'applique. Sa pommade, je sais pas ce que ça va donner l'issue de ce combat, mais c'est d'ores et déjà terrible. Ok. Bon. Préparez-vous à récolter la tempête. Ouais. Ouais, préparez-vous à récolter la tempête, ça je veux bien. Je veux bien. On va faire ça. Oh ! Très bien.
tout ce que t'as. Incroyable. Moi qui croyais que l'important était le nombre de cubes, alors que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Oh, je crois que je me suis fait une élongation. Je crois qu'il faut que j'arrête de jouer. Ah, oh. Le nouveau, ça va? Ce dernier père aurait pu le tuer. C'était carrément incroyable, mec. J'ai jamais entendu un paix aussi retentissant. Bien, j'espère que vous avez tous apprécié la visite. Désormais, vous aurez peut-être une meilleure idée des possibilités du génie génétique. Vous êtes tous libres de partir en passant par la boutique de souvenirs. Boutique de souvenirs? Ne manquez pas de jeter un œil avant de profiter du reste de la journée. Peut-être aimeriez-vous acheter un t-shirt « J'ai survécu aux mutants génétiques » ou une photo de vous pendant la visite. Des tas de bonnes idées pour vous remémorer ce tour. Cassons-nous d'ici. C'était des conneries. Bien, faut les dénoncer, Cartman. Qui est-ce qu'on dénonce? Je sais pas, il est quelle heure? Il est... Oh merde! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a, Mysterion? Godin, le nouveau a pété si fort que c'est la semaine prochaine. Quoi? Regardez vos téléphones, on est 10 jours plus tard. Oh génial, le nouveau nous a télépété vers la semaine suivante. Merci, il nous a baisé. Bien joué, le nouveau. C'est aujourd'hui que Cartman est investi maire, et c'est la faute du nouveau. En avant, les potes de la liberté, faut l'arrêter. Ok, on est donc parti, il faut aller impérativement en ville, je suppose. Et c'est donc la fin du jeu. Les gars, j'ai eu un nombre d'emmerdes et de bugs incroyables. Ici Mysterion, je suis au bureau du maire, venez vite voir ça. Désolé les gars, désolé si vous avez eu pendant les combats un décalage avec le son et tout. Le jeu m'en fait voir de toutes les couleurs alors qu'on est au dernier épisode et ça... Clairement, je peux vous le dire, c'est terrible et ça, ça m'a rendu ouf. Hein. Là, les gars, je vous mens pas, il est 3h du mat. Ça fait 2h que je suis dessus à essayer de voir comment faire pour que le record soit fluide et ne pas que ça me fasse de coups de Trafalgar. C'est assez terrible. On est parti direction la mairie. Donc, ouais, désolé si pendant le combat, c'était compliqué. C'est bon. Oh non, non, non. Laissons poisson gay être poisson gay. C'est ce que je dis. Bien sûr, tu piches pas. Comment tu pourrais? Laissez juste poisson gay être un poisson gay. Il fait je pense quoi, vraiment que c'est la fin, les gars. Là, sinon, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Ok, on va pouvoir passer par ici. Direction la mairie. Ouais, on a gagné. Putain. Il y a de Servietski. Yeah. Tout le bureau du maire est barricadé. C'est une vraie forteresse. Comment est-ce que Cartman a réussi ça? C'est lui, le maire. Il peut faire ce qu'il veut. Regardez, à la fenêtre. Allez tous vous faire foutre. Je vais faire passer plein de lois pour vous baisser jusqu'au trognon. Oh non. C'est terminé, on a perdu. Mais on peut pas perdre! Atterris, Kyle! À cause du nouveau, Cartman est devenu maire et il n'y a plus personne pour nous aider! Le nouveau! Le nouveau, réponds! C'est qui ça? Je suis quasiment sûr que c'était Morgan Freeman. Le nouveau! Il y a eu une anomalie temporelle. J'imagine que ton cul y est pour quelque chose. Viens chez le marchand de tacos, il faut arranger ça. À tous les potes de la liberté, rendez-vous au Freeman's Tacos maintenant! Il est temps d'aller voir Morgan Freeman, le seul. Sauterai dans la salle des scellés quand on aura pincé le vengeur! Qui va pouvoir nous aider, inférieur à la puissance demandée. Oh. Ouais, mais alors attendez, il y a un souci là, les gars. Il y a un très très gros souci. Et le très très gros souci est que je n'ai pas de quoi augmenter ma puissance plus que ça, et ça risque d'être vraiment terrible en fait. Ah ouais! Je vois pas comment faire, les gars. J'ai pas la puissance recommandée. Comment on fait? On coupe tout? Création. Attendez, on va aller voir. Ouais, dis-nous en plus. Ouais. 105. Non, j'ai déjà. Tout ça, j'ai déjà. Je vais faire ça au cas où, sait-on jamais. Sur un malentendu. Ouais, artefact. Vas-y. Fais-moi rêver. Et non. On peut pas faire plus, en fait. On peut pas faire plus, les mecs. Je suis fort baisé. Si je peux me permettre l'expression. Ah si, si, ça. Et à moi d'en faire un autre.
À moins d'en faire totalement un autre. On va faire ça, on a que ça à faire, hein, de toute façon. Histoire de gratter des 5 à gauche à droite. Parce que je vois que ça, en fait. Ok. Ça, c'est un nouveau truc qu'on a eu. On va faire celui-ci encore une fois. Parce que là, c'est toujours inférieur à la puissance demandée. Et là, par hasard, est-ce qu'on est bon? Ok. Aïe, 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 c'est compliqué cette histoire, les amis. Je sais pas si on va s'en sortir vivant. Je sais pas si on va s'en sortir. On a 9 de puissance en moins. On est inférieur à la puissance recommandée. Mais je pense que ça va être le boss final, donc on doit le faire de toute façon. On n'a pas trop le choix, les mecs. On n'a pas trop le choix, c'est toujours tout droit. Allez, on y va, on va la tenter, les gars. On va la tenter, on verra ce que ça va donner. Quoi qu'il arrive, boum, je vais enregistrer sur un malentendu. 14h, 15h de jeu, les amis. 15h de jeu et le jeu me l'a mis à l'envers. Ça fait mal, ça fait mal. Vous savez que je suis là en mode, putain, si je peux pas terminer, ça va me rendre fou. On a fait 24 épisodes, je dois terminer cette aventure. Quitte à ce qu'on fasse tout et que ça lague. Je m'amuse comme une folle. Okay, on devrait faire justice nous-mêmes. C'est bon, le nouveau est là. Morgan Freeman dit qu'il peut nous aider à arrêter Cartman. Mais l'arrêter comment? Il a déjà été élu maire. C'est la faute du nouveau. Il nous a télépété vers l'avenir. Le nouveau, tes pets ont accéléré le temps. Il faut réussir à revenir en arrière et empêcher Mitch Connor d'accéder au pouvoir. Voici le Quesarito Chipotle Nacho Suprême au bœuf puissance 7. La dernière fois que quelqu'un y a goûté, il a pété si fort qu'il a créé un trou noir permettant de voyager dans le temps. Mais je t'avertis, mon ami. Manger le Quesarito Chipotle Nacho Suprême au bœuf puissance 7 est un aller simple. Assure-toi de prendre tout le nécessaire avant de le manger, tu piges. Encore un autre? Bon, très bien. D'accord. Bon, je crois que je l'ai déjà. Ouais, voilà, je l'avais déjà. Le héros d'épée. Ok, alors gars. Comme ça, te voilà prêt à avaler le Quesarito Chipotle Nacho Supremo Bœuf Puissance 7. On va essayer. Maintenant, tu dois remonter le temps au moment où Mitch Connor a prêté serment. Tu peux le faire. Tu dois simplement croire en toi. Ok, on est parti, les amis. Il est temps de parcourir le temps. Et je ne peux pas. Ah, là, je peux. Quel suspense! On sait pas ce qui va se passer. Peut-être que tout va t'échouer. Oh, merde! Le nouveau! Je n'ai pas l'impression que ça marche. Crois-tu en toi? Oh non, tu n'as pas cru en toi. Tu n'as pas cru en toi. Ok, obtiens l'aide, ça c'est fait. Quitte le Freeman Stakos. D'accord. Très bizarre cette petite ambiance bien sombre. Joyeux Noël! Joyeuses fêtes tout le monde! Hourra, c'est encore Noël, on va se retourner la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? On arrive trop tard. Le nouveau nous a envoyé vers le futur, quand Cartman est déjà maire. Tu dois nous renvoyer dans le passé, le nouveau, avant que tout cela se produise. Ça ne marche pas. Peut-être que le nouveau a le trou du cul fracturé. Le trou du cul fracturé? C'est ridicule. Boîte à outils a raison. Il faut vite emmener le nouveau consulter un médecin. Attention le nouveau, South Park est un endroit super effrayant à l'approche de Noël. Oh salut les enfants, joyeux Noël, me voyez? Je suis tellement raide, j'ai l'impression qu'on fête Noël depuis un an. Ils mettent quoi dans ces boissons? Monsieur Maquet, il y a du pissin dans votre alcool, arrêtez de boire. Oh mais c'est les fêtes, me voyez? On peut quand même lever un peu le coude. Ah, mon Dieu, les revoilà! N'ayez pas peur, nous sommes ici pour célébrer la venue de notre Seigneur et Sauveur. Aïe, 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 Woodland, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Sans deck, joyeux Noël à tous! Hé, regardez, c'est le justicier dont le maire nous a parlé! Si on l'élimine, on touchera une prime! Youpi, youpi! Ok! Bah les petits animaux de la forêt, ça va être compliqué. Pacte de combat enclenché. Ça va être totalement compliqué cette histoire.